Messieurs, dames, on y est bien le bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette matinale. C'est la 24e, si je ne dis pas de bêtises, la matinale sur Juste Milieu, sur Twitch. On est en direct, vous le savez, on découvre les journaux ensemble, les journaux du jour. Pléonasme, je veux dire, parce que bon, on commence comme ça, mais voilà, on va faire, vous le savez, c'est le petit rythme classique la presse internationale pour voir ce qui se dit à l'étranger, et puis la France avec encore beaucoup de euh, sujets aujourd'hui. L'affaire Lola, on en a parlé hier euh, dans, dans le Juste Bistrot, toujours sur Twitch, mais euh, on, va, on va sûrement en reparler aujourd'hui beaucoup de journaux en parlent. On a euh, quelques actus que je vous ai prises également pêle-mêle, qu'on mettra après euh, les journaux. Mais deux actus sur lesquelles je voulais revenir parce que bon, voilà, le monde est ainsi fait. Donc. Voilà les amis, c'est un plaisir voilà, de se retrouver euh, tous les jours quasiment sur Twitch. Hein, le lundi, le mardi, euh, le mercredi. Il n'y a que le jeudi pour l'instant. Jeudi bien pour l'instant. On va bricoler un truc. Et voilà, on commence la journée ensemble avec ce format-là. C'est le petit rythme du mercredi. Après, vous le savez. Hein, on finit le direct. Hop, je vais enregistrer la farce tranquille. Ah, L'épisode de ce soir. On est encore sur un épisode. Ah, je... Je ne me repose pas en ce moment, hein, parce que c'est vrai que la farce tranquille, on est encore sur un épisode euh, maus costaud, j'ai envie de dire, mais vous verrez ça ce soir, beaucoup de sujets, parce que l'actualité politique est riche. Euh, bon, enfin, l'actualité politique est riche, oui et non, parce qu'on en reparlera tout à l'heure dans les journaux français, mais euh, on est surtout face à une actualité politique qui ressemble un petit peu plus au puits du fou qu'autre chose. Tout est bien scénarisé. Je veux dire, as envie d'y croire. Il y a des chevaliers, il y a des chevaliers, il y a des aigles, il y a un château fort, il y a une catapulte. Tu te dis c'est le Moyen Âge. Sauf qu'on est en 2022. Tu viens de payer un hot dog 8 euros et euh, le chevalier en fait il s'appelle Thierry, il est intermittent du spectacle. Donc euh, voilà. Mais quand il est t'as envie d'y croire. Bon ben bah, l'Assemblée nationale c'est un peu ça en fait. On est face à une Assemblée nationale plus du fou. T'as l'impression, il y a la gauche, la droite. Il y en a, ils ont une cravate. Il y en a, ils ont pas de cravate. T'en as écrit, t'en as écrit pas. Mais euh, en fait, ils mangent tous à la cantine derrière. Et puis, à la limite ceux qui ne mangeraient pas à la cantine avec les autres, euh, de toute façon, ça reste le metteur en scène qui choisit. Et le metteur en scène, il va nous faire le 49-3. Pas plus tard qu'aujourd'hui. <laughs> Donc, euh, c'est une assemblée puis du fou. Et alors, merci à Sodou qui vient de Subprime. Ça, c'est merci. Ça, c'est merci beaucoup. C'est le l'huitième mois, incroyable. Euh, et il y a mon, mon, mon Ronan tout court qui dit Je vais au Puy du Fou dans deux semaines. Euh, bah, déjà, t'as de la chance parce que j'adore le Puy du Fou, j'aime beaucoup. Euh, voilà, euh, mais c'est vrai que bon, euh, c'est un peu ça. Il y a Fusible 86-56 qui dit euh, C'est le Marvel Cinematic Universe. Non, c'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur à faire. C'est trop d'honneur. Euh, non, c'est bien, Puy du Fou, je trouve ça, ça va bien. Il y a vraiment ce côté spectacle. Show must go on. Donc voilà un petit peu les amis pour, pour, pour cette introduction. On va aller ni une ni deux hein, sans plus attendre euh, vers l'actualité du jour avec des choses encore un petit peu joliettes. Mais on peut commencer avec une petite vidéo Twitter si vous voulez que j'ai tournée euh, juste avant de prendre le direct. Ah, on ne chôme pas, on ne chôme pas, euh, je vous montre ça avec une actu, on en reparlera dans la farce tranquille de ce soir, mais euh, elle, vaut son, elle vaut son pesant de cacahuète. Euh, notez d'ailleurs le faciès guignolesque de ce monsieur, qui à mon avis n'est pas moi, impossible. C'est ma doublure cascade pour les TikTok, parce que là c'est vrai que ça ressemble à rien quand même, mais on, on va écouter ce que ce monsieur a à nous dire. Encore une affaire passée, hein, comme une lettre à la poste, vous n'en avez sûrement pas entendu parler. Laurent Vauquier, président de région, région rhône alpes Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes très exactement, a organisé un dîner euh, avec de l'argent public. Alors tu dis, bon, s'il a invité ses amis au flunch, sur le principe c'est chiant, mais c'est vrai que comme il y a que chez Flunch qu'on peut fluncher, ça se comprend. Non, non, là on parle de 100 000 balles, euh, 1100 euros par tête de pipe. Euh, non, ça c'était pas dans la formule. Quand je dis tête de pipe, c'est une expression, c'est-à-dire qu'il y avait 90 personnes. 90 personnes fois 1100, ça fait 100 000 euros. Voilà, 100 000 euros d'argent public avec un menu. Attention. Euh, Lentille vertes du puits crème d'anguille fumée, euh, foie gras, tourne-dos de volaille. On n'est pas sur du kebab de fin de soirée. Et euh, voilà, donc on est sur un voilà détournement d'argent public. Euh, Laurent vauquier était le seul élu. C'était même pas un truc d'élu à la rigueur pour remercier des maires ou autre. Non, non, il y avait Jo-Wilfried ou Alexis Peintureau Mais ça va. Comme dirait Edouard Philippe, ça passe. Tu vois, tant que t'es pas pris exactement la main dans le sac, tu peux continuer à voler des bijoux. Encore tu une fois, bah, hein, je, je vous fais... mets à température. Je vous mets à température parce qu'aujourd'hui, on va être quand même sur euh, une dynamique telle que celle-ci, hein, avec des informations plaisantes. Mais on va d'abord attaquer avec euh, ce qu'on ce qu nous dit à l'international, avec nos amis britanniques, c'est le Times, sur le site hein, que vous connaissez peut-être, kiosco.net, site intéressant. On peut voir la une de beaucoup de journaux à travers le monde, justement, pour euh, bah, voir un petit peu ce qu'ils disent. Alors, on n'a pas accès au journal en tant que tel, mais. Euh, on a la une, donc c'est déjà pas mal. Et en une, ce qu'on apprend quand même, c'est que Liz Truss, on en parlait hier, donc celle qui est la nouvelle première ministre hein, du côté de la Grande-Bretagne, qui a remplacé Boris Johnson. Donc toujours euh, du parti conservateur, mais elle a remplacé Boris Johnson. Euh, bon ben, elle, elle a débarqué il y a un mois et demi environ. Euh, La a proposé un budget, c'était une catastrophe, il y a son collègue donc, de l'échiquier, donc l'échiquier en Grande-Bretagne c'est le ministère des finances si vous voulez, c'est le petit nom qu'on donne mais euh, c'est le ministère des finances, euh, c'est vrai que bon le... c'est un... un nom qui va bien parce qu'en ce moment euh, ils sont plus fous que cavaliers, <laughs> ouais, mmh. c'est oh, c'est une petite blague d'échec je tiens bon. Ça vaut ce que ça vaut, mais s'il y a des connaisseurs, c'est plutôt pas mal. Ça passe en diagonale. Et euh, c'est vrai que tout le monde s'était dit bon ça y est, ils ont dégagé Boris Johnson, qui était quand même l'un des artisans du Brexit. Ils se sont dit c'est bon euh, avec Liz Trust c'est reparti. Alors, apparemment c'est pareil, c'est une banane flambée aussi. Enfin une banane. Il euh, faut se mettre dans une spécialité britannique, donc c'est un pudding. On est sur du pudding. Elle est niveau pudding et donc son collègue Quasi Quarting, qui était le, le chef de l'échiquier. S'est fait dégager parce que leur budget, bon, bah, était une catastrophe. En plus, il y avait des mesures à peine cachées euh, où, notamment, ils voulaient supprimer euh, des tranches d'imposition sur les revenus les plus élevés, donc pour profiter aux plus riches à l'heure d'une crise presque sans précédent, euh, en tout cas sur ces dernières années en Grande-Bretagne. Donc, ça, les, les, les grands Bretons ont dit non. Quasi Quarting tu vas cirer tes godasses et tu dégages et puis euh Struss, attention quand même de pas prendre la même bretelle d'autoroute. Donc elle est déjà sur la sellette, Listrus serait déjà sur la sellette alors que Quasi Quarting a été remplacé par un autre monsieur qui a proposé un budget peut-être plus soft déjà mais Affaire à suivre donc beaucoup de remous dans la vie politique britannique alors que on pensait que la succession de Boris Johnson qui était passée on s'est dit ça va aller euh, apparemment ça va pas apparemment ça va pas donc affaire à suivre là-dessus sur la Grande-Bretagne on a également hein, les, les prix du pétrole on parle des prix du pétrole euh, en Grande-Bretagne euh, sinon bon bah ça c'est un titre alors, je ne sais pas ce que c'est peut-être que c'est une histoire euh, la femme qui a payé 8000 livres pour avoir les cheveux gris Peut-être c'est une histoire à la con, sait C'est maintenant le journaux. Voilà. Et puis l'une des infos quand même international à retenir hein, aujourd'hui, c'est... Euh, les sources d'énergie d'Ukraine auraient été détruites à 30%. C'est une communication qu'a faite Volodymyr Zelensky. Alors, pour une fois qu'il ne demande pas des armes ou du pognon, euh, je propose il voilà, y ait une petite minute d'applaudissement. Parce que là, apparemment, effectivement, euh, tout ce qui est source d'alimentation énergétique du pays, euh, ça s'est fait péter la gueule. Et c'est vrai que, euh, bon, bah on, on alterne. Encore, hein, on est en courant alternatif, sans mauvais jeu de mots. Enfin, ou avec, du coup. Euh, on a en courant alternatif dans l'actualité, notamment sur le sur, sur sur le contexte Russie Ukraine, parce que c'est intéressant de voir que d'un jour à l'autre, on passe d'une position où, où globalement la Russie est en train de se faire défoncer, euh, recule de partout et que l'Ukraine va gagner la guerre dans une demi-heure, à euh, bah en fait euh, pff, les Russes apparemment euh, pff, ils sont forts quoi. Et c'est vrai qu'on a une alternance de sujets avec forcément cette volonté de, de traiter l'actualité au, au plus vite, de parer au plus pressé. Euh, sauf que ça n'a plus aucun sens, quoi. Ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune cohérence. Euh, la Russie doit perdre la guerre dans une demi-heure. Aujourd'hui, finalement, elle a détruit l'approvisionnement énergétique à 30% de l'Ukraine. Enfin, on, on comprend vraiment plus grand chose, mais euh, emporté par la nécessité de faire euh, de l'actualité euh, le, le plus vite possible, quasiment en temps réel. Bon, bah, c'est sûr qu'il ne faut pas chercher le, le fil rouge de cette affaire, le fil directeur, j'ai envie de dire, de cette affaire. donc on verra ce que ça va donner. Ça, c'est pour les amis du Times en Grande-Bretagne. Si on va voir le monde, alors le monde d'aujourd'hui, ça, c'est la France. Ça, je vous ai dit, l'international, mais c'est la... la France. Euh, donc le budget, voilà. Au moins, c'est clair, tu vois. Le, bu... le monde, titre, budget, dernière bataille avant le 49-3. Bah, ça fait quand même deux semaines que je vous le dis que de toute façon, le 49-3 va se faire et que ce à quoi on assiste est du théâtre. J'ai dit plus du fou tout à l'heure, mais chacun choisit sa métaphore. Donc, euh, en fait, voilà, ils se sont bagarrés à venir s'invectiver à l'Assemblée, euh, mais, mais ils n'ont plus rien, en fait, ils n'ont plus rien à jouer, ils n'ont plus de cartes à jouer. On, on se rend bien compte que, euh, et, et là, pour le coup, c'est plutôt à mettre au crédit de la France Insoumise, on me reproche parfois de leur, leur tapetue, mais là, pour le coup, on se rend, il, il, faut, il faut saluer le geste, avec la marche contre la vie chère qui a eu lieu le 16 octobre, c'est le, le, le dernier recours pour tenter d'avoir du poids sur le, le pouvoir en place. C'est la rue. Parce que ces gens-là qui ont été élus aux législatives, qui sont députés ou sénateurs ou ce que vous voulez, euh, en fait, n'ont aucun poids euh, dans le cadre du mandat pour lequel ils ont été élus et pour lequel ils sont grassement rémunérés. Donc, ils s'en remettent à la rue, ils s'en remettent au peuple, et euh, on, on se rend bien compte que... Euh, C'est rude à dire, mais il faut le reconnaître, que le la, la position gouvernementale ne pourra s'infléchir qu'en cas de mouvement social d'ampleur. Mais d'ampleur, c'est-à-dire jusqu'à bloquer le pays et que le gouvernement n'ait plus d'autre choix que de reculer. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est qu'une guignolerie qui ne dit pas son nom. En fait. Ce sont des gens qui se réunissent, qui se bagarrent pour savoir s'il faut foutre une cravate ou pas, mais ça s'arrête là. Euh, le, le fait d'avoir des débats euh, absolument nuls sur la stérilisation des chats, enfin nuls, pas prioritaire en tout cas à mon avis, sur la stérilisation des chats, sur le port de la cravate, euh, sur au-delà aujourd'hui, ils vont, vont parler de l'intégration de l'IVG dans la Constitution, qui est quelque chose de factice, je veux dire, qui, qui, qui ne sert à rien, qui est purement idéologique, euh, mais c est, c est, ce sont les seules choses où ils ont du poids lorsqu'il s'agit de... de de mesures ou de projets de loi qui entraînent la marche à suivre de tout le pays, il n'y a plus personne en fait. Mmh. 49 49.3, ces gens-là ne servent à rien, mais il faut, il faut garder la face. Il faut garder la face, donc ils vont dans la rue, ils vont parader en expliquant que ce, 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 ce sont eux qui ont organisé les mouvements, la marche contre la vie chère ou, ou autre. Sur la, sur la forme, c'est vrai, mais sur le fond, je pense que les Français, de toute façon, seraient allés dans la rue, Qui ait eu la France Insoumise, le RN ou je sais pas qui, qui ait lancé une mobilisation. Donc, Aujourd'hui, euh, il ne reste d'autre choix que celui de tordre le bras au pouvoir en place, parce que ce pouvoir n'est plus dans euh, le cadre normal d'une démocratie où euh, les oppositions euh, pourraient, euh, pour, pourraient. pourraient faire leur euh, leur travail tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, ce gouvernement explique que... Euh, le, la, 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 les grèves devraient être levées parce qu'il y a des accords qui ont été signés et il y a des accords qui font que les, comme les grévistes sont minoritaires, ils ne peuvent pas bloquer l'ensemble du pays. Et ce qui est fou en fait sur la forme à prendre en compte, c'est que aujourd'hui, ce gouvernement qui passe par delà euh, l'opposition, par delà les volontés du peuple, en vérité, euh, ce gouvernement est minoritaire. Il faut quand même le rappeler un jour. Euh, la République en marche n'est pas le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc à partir de là, c est, c est, c est, enfin, voilà, on, on a quitté le cadre d'exercice d'une démocratie normale. Vous êtes nombreux dans le chat, j'ai vu, à avoir parlé de Jean Castex, qui a été nommé à la RATP on va en reparler à la fin de, de cette émission. Donc, euh, voilà, il faut voir les choses en face. Euh, le, 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 les seuls changements que nous pouvons espérer viendront de la rue viendront d'un mouvement social qui bloquera le pays. Et où, euh, les forces de l'ordre ne pourront plus, ne seront plus assez nombreuses et assez matraquées, matraquantes pour, euh, pour, 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 changer le cours, le cours des choses. On a vu déjà des vidéos hier sur la, sur, lors de, du cortège de la grève à Paris notamment, parce que d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que tout se passe à Paris. Il y a eu des rassemblements hier en France, hein, mais là, là. Là, 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 les grèves et tout, c'est à Paris. Il y a en France, il y a rien d'autre. Enfin, c'est assez hallucinant de voir aussi le traitement médiatique. Mais en soi, on pourrait analyser ça aussi. C'est logique de ne filmer que Paris pour donner l'illusion que euh, tout se passe à Paris et qu'ayant en France, les gens n'ont pas de contestation, n'ont pas de motifs motif contestataires, pardon. Euh, donc ça aussi, c'est intéressant de voir comment euh, ces grèves, ces mouvements sont suivis où on essaie de les extra-centraliser, euh, de les extra-territorialiser. Euh, en disant c'est à Paris, mais vous voyez en province, peut-être que vous, vous avez envie de gueuler, mais vous êtes tout seul, parce qu'en fait, dans les territoires, il n'y a rien. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a du monde de partout. Il y a sept 76600 qui dit au oh, Havre, on était assez nombreux. Voilà Il y a du monde ailleurs en France, bien évidemment. Mais euh, si on commence à filmer des rassemblements, ce qui était le cas au moment des Gilets jaunes, et je pense que les médias, dans leur volonté assumée, de faire taire ces mouvements dans l'intérêt du pouvoir en place. Je pense que les médias ont tout ont, ont compris de leurs erreurs en n'allant pas filmer des ronds points dans des petits bleds de France que personne ne connaît. Parce que là, ça donne euh, ça donne l'image de la masse, ça donne l'image euh, d'un mouvement national qui ne se passe pas qu'à Paris euh, avec un cortège façon gay pride où euh, c'est un peu la fiesta et puis en fait on sait pas trop pourquoi ces gens sont là. Donc voilà, ça c'est pour le Monde. ce qu'on peut se dire, les amis. L'Istrus en sursis, on vient d'en parler. Euh, on a, voilà, un peu les petites différentes actus. Macron mobilise les préfets contre les difficultés d'acheminement. Euh, c'est d'ailleurs à se demander si les mecs euh, se mobilisent à peine maintenant. C'est ça qui est pas mal. Merci à Esprit Critique qui vient de subs. C'est le cinquième mois. Merci beaucoup, camarades. Donc, ça, c'est pour le monde. On va aller voir un petit peu ce qui se dit du côté de l'Espagne avec El País, hein, voilà, El País. Euh, on a quoi de beau là-bas euh, Les bombardements russes, hein. bombardements russes, euh, voilà, avec aujourd'hui des évacuations sur, dans certaines villes, notamment kherson, euh, en Russie, où on s'attend quand même à une, à une bagarre un peu plus rude, euh, on a du mouvement politique aussi du côté d'espagne de notamment au niveau du pouvoir judiciaire, euh, et sinon, euh, voilà, Monde du livre, hein, puisqu'il y a le, le salon de Francfort, actuellement on en reparlera à la fin de l'émission. Salon de Francfort qui est un peu la grand-messe du monde euh, littéraire international. On va en parler, c'est un peu là que tout se joue. Et euh, forcément, hein, l'Ukraine est au centre des débats, au centre d'ouvrages qui, on l'imagine, vont inonder euh, nos librairies dans les semaines à venir. Donc voilà un petit peu ça, c'est pour El País, ce petit tour international qu'on peut faire sinon. Euh, on a quoi de beau? Ça, c'est l'Amérique du Sud, tu vois. C'est pas mal. Hein T'as des trucs chouettes. L'Inde. Alors, ça, pas... je peux te montrer, mais ça, je peux pas lire. Là, on est au Japon. C'est la presse sportive au Japon. Alors, il y a le monsieur, plutôt beau gosse. Euh, je sais pas comment. Il voilà. y a une pub pour des, pour des trucs. Ça doit être l'intermarché japonais. Intermarché, je sais pas comment on dit, mais euh... voilà. Ça, c'est la une au Japon. Donc, euh... on les embrasse. S'ils nous regardent. Euh, du côté du matin, alors ça c'est au Maroc. Sa Majesté le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres aujourd'hui. Euh, ah, c'est la, la une du matin aujourd'hui, c'est pas le fun hein, chez nos amis marocains. Donc. Voilà, hein, le, le conseil était consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances 2023 et à l'adoption d'un projet de dahir, de trois projets de loi organique, de trois projets de décret, ainsi que de nombreux d'accords internationaux. Donc aussi du mouvement politique pour l'année prochaine du côté du Maroc. Donc voilà un petit peu. Voilà les amis, voilà ce qu'on peut dire sur la presse internationale. Voilà. Et là, on va aller vers la presse nationale. Là, on va moins ricaner. Mais on peut se faire une petite pause. Sur le chat, hein. bien évidemment, on est, on est ensemble. Il est 8h42. Hein, sur juste milieu FM, si vous nous écoutez en podcast, peut-être, on ne sait pas. Ou si vous nous écoutez sans regarder la vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui font ça au boulot. Ils se mettent les écouteurs, ils ont ma, ma voix dans les oreilles. Bonjour. C'est Rémi. C'est la juste voix qui vous parle. Voilà. Non, bon, là, ça devient flippant, c'est vrai, rhabillez-vous. Mais, euh, mais c'est un concept. Hein. Des gens font ça, je viens de notre monde, hein, comme vous et moi, donc il ne faut pas juger. Mais voilà, il y a le hobby de 26 qui dit le hobby de 26, il fait ça. Et c'est vrai que du coup, là, moi, ça me fout la pression. Parce que tu vois, il faut, faut conserver l'oreille de l'auditeur. On ne peut pas le perdre, l'auditeur. C'est normal. C'est l'audience. Donc il faut faire ça. Il faut passer un bon moment. Vous êtes au boulot comme ça. Michel, euh, le dossier Bézuze, euh, comment on fait Voilà. Et là, toi, en fait, t'as une oreille où on commence à déconner. Et ça, c'est important. Voilà. Et puis c'est bien, tu vois. Ouais, Presque, tu vois. Je trouve ça, ça me, ça me, ça me, je suis fier en fait qu'on soit ensemble, tu vois, et d'être dans le quotidien un petit peu des hein, gens, tu vois. T'as, euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont lu Attends, j'ai vu. Funifam Sad qui est au boulot. Euh, on a Soljan qui dit je t'écoute en préparant mon fils. Mais ça c'est génial. Ça part à l'école. Carte à goûter. On est bon. Ça c'est que du plaisir. Voilà, café crayon. Moi j'écoute en jouant à la PS4. C'est fou, tu vois. On est en fait une famille. On est des gens qui... Nous ne nous connaissons pas, peut-être. Et voilà, on est tous ensemble, en fait. Voilà. Il y a Toutoun le Suisse qui rentre du boulot. Putain, ça c'est du boulot de nuit, ça. Ça, ça bosse la nuit, mon tout ça, ça Lui, il va faire dodo, lui. Lui, il va faire dodo bientôt. Il euh, y a Tertala qui dit je fais du sellement de bougie pour l'aéronautique. C'est incroyable ça. C'est fou ça. Malicorne 007 qui dit café terrasse écouteur. Lui il est pas mal. Lui il est bonnard. Euh, non c'est zinzin. Hein. C'est fou. Hein. Pendant les courses. Il y a Xavin Aubon qui dit ça. Pendant mes courses. Les courses euh, à manger ou les courses à pied. Roule en camion à 18 Génial. Attention sur la route. Blip, 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 la bretelle autoroute. Et je rappelle sur l'autoroute 14 nous avons... Un bouchon à hauteur de Bourg-la-Reine juste avant l'aire d'autoroute du Chêne-feuillu, il y a actuellement 12 minutes de bouchon. Merci de réserver la voie de gauche pour les véhicules de secours. Nous avons à l'instant un auditeur qui nous prévient que à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, un véhicule est arrêté sur la voie de droite. Les services d'intervention sont actuellement en route pour dégager la piste de ce qui semblerait être une pas de moteur. Voilà. Petit point, voilà. On m'appelle bison futé. Alors, plus bison que futé. Ça, c'est vrai. Ça, on peut pas se... on peut pas se le cacher. Mais, euh... C'est fou, hein. Le prince du lac, oui, je pars à travers champs pour ramasser les plantes sauvages. Trop bien, ça. C'est génial, quand même. Ah, il y a des amis qui nous écoutent peut-être de l'étranger aussi. Euh... N. Enna Méchante, qui dit, moi, pareil, quand j'épluche les mails au boulot, voilà, tu L'unico à la, mes étudiants t'écoutent, c'est leur devoir à la maison. C'est une vanne Att Attention, parce que là, il faut voir la formation. S'ils sont tourneurs zingueurs, pourquoi pas Mais, euh, attention, Buffalo Grill Mais non, tout, tout ne le suite Non, tu déconnes, on se la gueule. Tu bosses à Buffalo Grill ah, Attention, je veux venir. Non, c'est une vanne, tu déconnes. J'adore Buffalo Grill. Oh, terrible, il y a Gab Venturi qui va au mondial de l'auto. Merci mon Gab d'avoir été là. C'est fou quand même. C'est fou. Hein. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe quand même. Ah ouais, non mais ça me. Ah, c'est touchant. Hein. Il y a un truc, c'est un patoche. On est une grande famille, quoi. On est une grande famille. Mais je vous l'ai dit, ça c'est mon rêve. Va... L'année prochaine, on va, on, va, on va réussir à bricoler. On va réussir à bricoler parce que... Faut qu'on fasse ces trucs-là. C'est un rêve que j'ai. Euh, sur l'organisation, vous savez, un peu d'apéro, en fait. Euh, Qu'on se fasse des apéros entre nous, euh, où on se rencontre et tout ça. Que les gens, tu vois, t'imagines, tu te fais des copains. Quelqu'un qui regarde juste mieux, qui habite à 10 bornes de chez toi, ça finit Ricard Merguez. Tout ça à cause de ce faciès audacieux. Ce serait génial. Ce serait génial. Et les gens de deviennent copains, tu vois. Puis tu papotes dans l'esprit juste mieux. Tu peux rencontrer un mec qui vote Mélenchon. Toi, t'as voté Zemmour. Mais on s'en fout. Tout le monde débarque, tu poses de la bouteille de Ricard sur la table, et à la fin, on est des frérots. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Et, et, et ça, ça me parle. Ça, ça me parle. Ouais, rencontre abonné, c'est le terme. C'est Miss Dean qui dit ça. Terme technique, ça, j'ai pas. Mais... Euh, non, mais c'est fou. Putain, on inventerait des cocktails, ensemble. Le pangolin. Ricard, vodka, au Javel whisky. Bon. À consommer après 11h du matin, parce que sinon, c'est trop tôt. Mais euh, c'est incroyable. C'est fou. Franchement, c'est complètement fou. Ah non, non, c'est. Moi, il y a, y a un truc à faire. Il hein, y a un truc à faire. Moi, je le dis. Je le dis, il y a un délire. Il y a un délire à faire. Mais. Les amis, c'est fou. Hein. Et là qui dit non, c'est pas une vanne. Étudiant en master droit et fiscalité pour la veille juridique au top. C'est incroyable. c'est Ça prend une dimension, ces bêtises. C'est complètement fou. Incroyable. incroyable. Bah, bah, bisous aux étudiants. On les embrasse. Hein. On les embrasse, on les salue. Bisous à tous les étudiants de France. Bon courage, d'ailleurs. Euh, c'est génial. C'est génialissime. Donc. Les amis, on va continuer un petit peu sur l'actu du jour, vous le savez. On, on repapotera, vous inquiétez, pas, vous inquiétez pas. On repapotera à la fin de l'émission. On va euh, aller avec Libération. Alors attention, là, la transition, euh, pas ouf, pas ouf, mais vous le savez, c'est l'affaire. C'est la grande affaire du moment euh, qui, effectivement, retient l'attention. On en a parlé hier euh, dans le Juste Bistrot, mais je voulais revenir là-dessus parce que. Euh, voilà, c'est. Euh, ça me, me tueur lupine, ça me tueur lupine cette affaire, et c'est vrai que le, le débat est vif. Euh, hier, on a, on a beaucoup papoté avec les amis euh, sur, euh, sur, sur, euh, sur Juste Milieu, dans le Juste Bistrot. D'ailleurs, sur cette affaire, Lola, si certains, vous pouvez intervenir sur Discord, hein, les amis, ça, ça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais c'est Edouard qui me l'a rappelé, parce que je suis une tête de linotte. Et c'est vrai que euh, alors attends du coup euh, ouais, ouais j'arrive bougez pas on peut euh, on peut faire vous pouvez intervenir en direct en fait c'est-à-dire que euh, on est en direct et euh, un peu radio libre tu sais où les auditeurs interviennent s'il faut, faut être sur le Discord juste mieux et, euh, et après, il faut m'ajouter. Je je me rappelle plus comment on fait. C'est ça le problème. On a dit qu'on le on le, au, on, le refais, on le faisait à nouveau, pardon, vendredi au juste bistrot. Mais euh, et je ne sais pas si Edouard il est encore, en, il est en régie. On va voir. On peut le faire. Faut m'ajouter sur Discord. Vous m'écrivez. Après, on peut bricoler un truc. Et, euh, et comme ça, si quelqu'un veut, veut intervenir sur cette affaire-là, on peut, on peut en papoter. On, normalement, je peux y arriver. Si vous, si vous êtes sur le Discord que vous voulez intervenir, dites-le-moi. On va essayer de bricoler ça en direct. Mais en tout cas, cette affaire Lola, donc vous l'avez suivie, euh, une adolescente de 12 ans qui a été euh, enlevée, agressée, assassinée, donc une affaire, une affaire terriblissime, qui fait la une forcément du parisien aujourd'hui, donc il nous dit en chapeau un hein, résumé de, de l'affaire. Euh, « Le martyr de l'adolescente la so de, de 12 ans, vi euh, violée et torturée par une jeune Algérienne en situation irrégulière, a déclenché une tempête politique. Hier, Emmanuel Macron a reçu les parents de Lola pour les assurer de sa solidarité et de son soutien. » Mon avis là-dessus, parce enfin, encore faut-il avoir, enfin, faut-il déjà avoir un avis, je pense que la, 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 la priorité de respecter euh, le deuil de la famille, de respecter le temps du, du deuil, euh, et, et que déjà c est, c est, cet emballage médiatique, en fait, est euh, et politique et tout à fait dégueulasse, euh, cette presse qui fait la, la une avec ses détails sordides. Merci à Shinsama37 qui vient de Sub, merci beaucoup. Euh... Euh, je trouve que c'est euh, tout à fait lamentable. Déjà, comment la presse peut avoir accès à, euh, à ce qui a été dit lors d'une garde à vue Déjà, ça, c'est complètement, euh, complètement terrible. Et euh, donc, sans, sans aller dans les détails sordides d'une affaire qui ne regarde personne, euh, parce que c'est une affaire en cours, parce qu'il va y avoir un jugement et autres, et que il faut déjà, il faudrait déjà respecter euh, la famille. Euh, moi, ce qui me pour vous donner mon avis là-dessus, euh, et pour en papoter, voilà, parce que c'est un débat qu'il faut quand même évoquer, euh, ce qui me sidère, en fait, c'est cette récupération politique, notamment de l'extrême droite, qui a une position que je trouve, on papote, les amis, que je trouve tout à fait dégueulasse, c'est-à-dire, euh, d'emblée, en quelques heures après euh, la révélation de l'affaire, d'aller euh, juger euh, que le véritable problème était que le, la. la, 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 la... La présumée euh, coupable, euh, la personne qui a été mise en garde à vue, est effectivement une Algérienne, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, avec un raisonnement qui est complètement crétin, qui est de dire si euh, le jugement avait été appliqué, si cette personne avait quitté le territoire, on n'aurait pas eu ce drame. Et donc, ce qui, est un énième, euh, ce qui est une énième affaire de pédocriminalité en France, est en train tout doucement de glisser sur un débat sur l'immigration. Et moi, ça me, euh, ça me sidère. Ça me sidère de voir ça, de voir cette récupération politique scandaleuse de l'extrême droite, avec en plus les autres camps qui, bien sûr, n'ont pas un semblant de neurones pour se dire on ne va pas se rentrer dans le débat, euh, aller leur taper dessus et que tout le monde euh, y aille de son commentaire. Éric Dupont-Moretti, hier à l'Assemblée nationale, qui a dit que l'extrême droite utilisait un cercueil comme marchepied. Donc en plus, on fait des bonnes phrases. En plus, les, les, les crétins d'en face font des bonnes phrases sur cette séquence-là. dire, mais c'est. C'est lamentable à tous les niveaux. Et moi, ce qui, me, ce qui me sidère, dans ce premier temps qui est celui du deuil et du respect de la famille, ce qui me sidère, c'est cette récupération politique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en avant cet élément-là, qu'on soit bien d'accord, c'est ce qu'on disait hier hein, dans, le, dans le juste bistrot. Mais euh, moi, ce qui me sidère, c'est que le véritable problème est euh, que cette énième affaire... De pédocriminalité passe sous le coup d'un autre débat qui est celui de l'immigration. Et cela fait 30 ans qu'il euh, y a un débat qui est présent, qui n'est pas réglé et compagnie. Et donc, ça ça me, ça, ça me sidère. Ça, je vous avoue que ça me sidère. Euh, merci à Cathy, Cathy qui vient de se ce prime, c'est le cinquième mois, merci beaucoup. Euh, donc. Il y a effectivement Hypatie d'Alexandrie qui parle également de l'état de la psychiatrie en France. Il y a bien sûr plusieurs débats et plusieurs facteurs qui, qui expliquent ce qui, ce qui s'est passé, mais c'est d'une simplicité absolue et, et d'un électoralisme vraiment dégueulasse que de tout de suite lier ce drame à, euh, à une question d'immigration ou autre. Moi, je, je c'est que mon avis, les copains, vous connaissez la maison, on papote. Et, et comme je l'ai dit, si certains veulent intervenir sur Discord, vous êtes les bienvenus. À mon avis, on en reparlera de toute façon au, au Juste Bistrot vendredi. On sera tout réglé techniquement. Donc, comme ça, ceux qui veulent intervenir pourront papoter. Mais euh, moi, ça me, je, je, je trouve ça vraiment, mais d'une indécence, je trouve ça dégueulasse, la position euh, de l'extrême droite. Et euh, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est. Euh... C'est indépendant, hein. vous votez pour qui vous voulez, vous connaissez la maison, c'est indépendant hein, des, des, euh, comment dire, des opinions politiques des uns ou des autres. Je trouve que le, le comportement, euh, mais là en l'occurrence de l'extrême droite, de dire, euh, je, je, quand, quand je fais ça sur l'extrême gauche, que je critique l'extrême gauche pour X ou Y raison, euh, que je le dis à chaque fois que si l'extrême droite le faisait, je critiquerais de la même manière. Là c'est pareil. Dire, il faut reconnaître que ces comportements-là, de tout de suite vouloir lier ce drame absolu à euh, l'immigration, c'est l'extrême droite qui se comporte ainsi et qui voilà une occasion de vendre son beurre en disant ah ben vous avez vu on vous l'avait bien dit et il y a un truc que je trouve dégueulasse qui est un manque de respect profond vis-à-vis -vis du deuil de la famille et des proches de la jeune Lola euh, et, 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 et voilà ayons ce débat ayons ce débat mais euh, plus tard dans un second temps quand l'affaire sera jugée par exemple euh, ou que la personne aura été reconnue coupable ayons ce débat un peu plus tard aujourd'hui moi, ce qui me choque, c'est de voir qu'on a encore une jeune fille dont la vie a été enlevée, euh, dans des conditions qui devraient soulever le problème qui est soulevé par Carl Zero depuis de nombreuses années maintenant, qui est celui de ces jeunes agressés et ou disparus et ou assassinés. Et, et c'est ça qui me. Voilà, c'est ça, les amis, qui. Euh, qui, qui, qui m'embêtent, avec en plus des oppositions qui... Qui, qui font pas mieux, qui font pas mieux, et que on de, je, je crois que la priorité est plutôt de mettre sur le, de mettre en lumière, parce qu'il nous faut à chaque fois des drames pour mettre en lumière les problèmes, que euh, il y a trop de jeunes euh, mineurs filles comme comme garçons qui subissent ce genre de choses, et là on le met, on, là c'est mis en lumière pour un problème qui n'est pas le problème central, et ça ça me voilà, ça me sidère les amis. Ouais, je, je vous le dis, hein, je, mais, mais, on, mais on papote, hein, mais on papote, hein, qu'on soit bien d'accord. Et, et après, ce qui, est, ce, qui est, ce qui, enfin, c'est là où je pense qu'il euh, faut, euh, ouais, c'est juste mieux. Il faut parce qu'on est ensemble et qu'on papote. Et il, faut, euh, il faut aussi qu'on questionne nos propres, euh, nos propres avis. Je vois vite ma dose, par exemple. Et on discute, qui dit quand la gauche fait exactement pareil avec les photos d'enfants sur des plages pour justifier l'accueil des réfugiés, cela ne choque personne. Cher ami, je pense que là, c'est un autre débat t'as peut-être raison ou pas, je sais pas, mais c est, c est, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, c'est qu'on critique, euh, ou pas, les, enfin, en tout cas moi personnellement, je critique les, les, les positions de l'extrême droite, euh, mais on peut pas le lier avec des débats qui n'ont rien à voir, je veux dire, ça c'est un autre contexte, c'est peut-être un peu trop facile intellectuellement de coller des affaires qui ont des petits points d'acquaintance, mais qui sont franchement limités, et où on dit, ouais, mais vous avez vu, et on fait des parallèles qui me semblent pas... Euh, Déjà pas bienvenue à l'heure actuelle et me semble pas être le problème. C'est pas une guerre de clans, je veux dire. Aujourd'hui, il y a une famille qui a perdu sa jeune fille dans des conditions atroces et qui voit tout ça étalé dans les journaux à la téloche et compagnie. C'est la priorité, elle est peut-être plus là que euh, dans euh, une histoire de savoir ce qu'a fait l'extrême gauche il y a quatre ans, quoi, ou cinq ans c'est ça qui m'embête me, un petit peu les, les, les amis, euh, mais, mais voilà, je prends bien sûr les, les avis dans le chat, hein. je mets un peu le chat, on papote, on reviendra sur la une de, du parisien après, euh, voilà, il y a Moon62 qui dit agressé par qui en majorité, il faut le dire, je pense que c'est pas le, le, le débat dans un premier temps, mais je, tu vois, je lis ton message, parce que voilà, comme quoi, on... On, on discute et tous les avis sont, tous les avis sont bienvenus sur, sur juste milieu. Euh, on a Bob Zer 23 qui dit Je ne suis pas OK avec toi, c'est plus un débat sur l'application des lois qui pose souci. Donc Dupont-Moretti a intérêt à utiliser l'extrême droite. Euh, Froggy One, Kenobi, ça veut dire quoi aujourd'hui Le bord politique, tous sur le même bateau, le bord politique ne sert qu'à orienter notre vote. Être plus sensible sur certains points n'a rien à voir avec une étiquette. Je suis effectivement, effectivement d'accord avec toi. Euh. Euh, Al 18, pourquoi personne ne parle de l'enfant de 7 ans qui est mort battu par son beau-père Pour être tout à fait franc, je ne connaissais pas euh, cette actualité. Bizarre souche qui dit ⁇ Oui mais Rémi, imagine si la victime était une Algérienne assassinée par un Français blanc ⁇ l'État et la gauche auraient été en furie en criant au meurtre raciste, nous sommes obligés de pointer du doigt le fait qu'il euh, qu aurait pu éviter cette tristesse. Mais... Bien, bien sûr que je suis d'accord avec toi sur cette idée qu'il euh, y a des réactions à géométrie variable sur l'origine des gens. La gauche ne s'en cache même plus aujourd'hui quand il se passe des drames selon l'origine des gens ou leur couleur de peau. On a une gauche qui réagit plus ou moins. Je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas que c'est vrai ou fou, d'accord Je dis juste que je suis d'accord. Mais en revanche, euh, je pense que c'est toujours pas le débat pour l'instant. Et qu'aujourd'hui, on est en train de, voilà, de, de discuter de ça. Mais il y a une famille qui est dans un moment terrible, quoi. Et il y a Moon62 qui dit les chiffres sont là. Non, mais d'accord. Mais ce n'est pas la discussion. Et, et, et ce qui m'embête, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il euh, y a une famille qui est dans, dans, dans cette situation-là. Et on vient leur expliquer Ouais, mais en fait, euh, s'il n'y euh, avait pas l'immigration, si on appliquait la loi, votre fille serait toujours là. Mais vous vous rendez compte de la, la violence de ce discours C'est terrible. C'est terrible. Donc, ayons ce débat plus tard. Mais, mais aujourd'hui, pour moi, le, 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 le véritable problème, c'est que. Euh, on enlève la vie d'une jeune fille et euh, et on n'assume pas le fait que en France. Euh ben, ces ces problèmes-là sont monnaie courante, ces problèmes de pédocriminalité sont monnaie courante. Et à chaque fois, on va chercher des débats euh, secondaires, des contrefeux, pour ne pas voir le véritable problème. Et c'est juste ça que, euh, que j'essaie en fait d'évoquer de, 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 avec vous, les amis. Je ne dis pas que vous avez tort ou raison d'évoquer les autres problèmes, bien évidemment, mais je dis juste que c'est pour moi un contrefeu qui nous permet de, de ne pas voir le véritable problème. C'est juste ça. C'est juste ça. Euh, et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on peut se, se rejoindre. Hein, chacun, selon les, les, les opinions, les idées des uns et des autres, il y a d'autres problèmes qui sont liés qu'on qu doit évoquer. On est d'accord. Mais pour moi, c'est juste que euh, ça, ça, ça permet, c est, c est, ce sont autant de contrefeux qui euh, permettent de ne pas regarder le véritable problème. Voilà, c'est juste euh, ce, que, ce, que je voulais dire, ouais. ce que je voulais dire, les amis, là-dessus. Donc. Voilà un petit peu sur euh, cette une du Parisien donc l'affaire la terrible affaire euh, qui se transforme voilà, en, en polémique politique voilà c'est voilà on, je crois qu'on a, on a fait un petit peu le, le tour de ce qui vient de ce qui vient de ce, enfin ce qu'on qu peut dire un peu là-dessus ce, ce que je voulais partager avec vous en termes de, de petites réflexions voilà ça mange ça mange pas de pain hein. ah, ouais. no comido la pani voilà comme on lit, euh, donc on va, on, va, on, va, on va passer, on va essayer de passer à autre chose, sur d'autres actualités, effectivement, euh, voilà un petit peu les amis là-dessus, alors, motion de censure, on en a parlé, alors, les balas blancs de l'opposition, Alors pour le coup, là, le, le titre est bien trouvé euh, par le Parisien, mais... Euh, bon, bah, les motions de censure, c'est pareil. On parlait tout à l'heure des oppositions en carton, de cette assemblée, puis du fou. Bon, bah, très clairement, euh, on y est. Hein. Hein, on y est vraiment. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, je pense que des bambins de trois ans auraient une meilleure conscience politique que le Rassemblement National et la France Insoumise. Dans la mesure où euh, t'as la France Insoumise qui dit euh, Oui, euh, 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 nous, on fait la motion de censure, mais on votera pas celle du RN. Et le RN qui dit euh, « Oui, voyez-vous, nous ferons la motion de saussure, mais nous ne voterons pas seuls de la dépêche. » Oui, ouais, ouais, je vais tenter une imitation. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, c'est une catastrophe. Tu as, as une opposition euh, qui... Enfin, voilà, tu des oppositions, pardon, qui se tapent sur la gueule et en se disant « Oui, euh, non, on ne votera pas seuls des autres, on fera notre truc, mais pas... » C'est... Euh... C'est lunaire. Mais, mais sincèrement, à, à la crèche, il y, y a une meilleure conscience politique. Les gens sont capables de se prêter des jouets à la crèche. Et là, en vie politique, non. Mais c'est fou parce qu'ils font tous ça dans l'intérêt des Français, mais, euh, mais ils ne sont pas capables de, 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 de s'accorder. Donc bon, c'est de, de la guignolerie. C'est de la cagolerie, mais je veux dire, euh, niveau, niveau lunaire. Donc... Ouais, ça vous a marqué l'imitation de Jean-Marie Le Pen. Ouais, j'ai des petits talents comme ça. Mais, euh, mais donc voilà un petit peu bon, cette affaire. Donc c'est assez vite résumé. Euh, le Parisien forcément hein, qui dit euh, bon la mobilisation n'a pas fait le plein effectivement. Ils vont pas dire que euh, euh, ils vont pas dire que la, la France effectivement peut. Peut, on va, peut être secoué, on va dire, par ce, par ce mouvement-là. Euh, donc voilà, on, on parle de 107 000 en France. La CGT donne des chiffres trois fois plus élevés, donc je pense qu'il y a un juste milieu. Euh, donc voilà, un petit peu sur, sur cette mobilisation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, L'incroyable histoire de deux sœurs, ça c'est fou, ouais. ça c'est vrai que c'est assez zinzin. Nathalie est née dépourvue de cet organe, donc l'utérus en l'occurrence. À l'hôpital Foch de Suresnes, elle a reçu celui de son aînée, une prouesse médicale et un espoir pour bien des femmes. Ça c'est, tu vois, comme quoi, tu vois, on... c'est juste mieux. On en revient souvent un peu au point, c'est que, euh, bien sûr que la médecine ça permet des dingueries, euh, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Bah d'ailleurs c'est Merck hein, qui a été condamné par exemple sur la nouvelle formule du lévothyrox, enfin qui est poursuivi ça y est, laboratoire Merck qui est, euh, qui est, qui est poursuivi par rapport à, à, au, au, Levothyrox, au Levothyrox, pardon et euh, donc oui dans la médecine il y a des choses sombres et on le voit malheureusement aujourd'hui mais on a quand même une médecine qui a fait des progrès incroyables et voilà c'est toujours cet équilibre à avoir intellectuel mais vous, je le, savez, vous je, je le sais, vous êtes des gens intelligents mais tu vas te couper la poire en deux oui, la recherche médicale, c'est ce qui permet l'arrêt de messager. Il y a un peu en ce lancement. Mais euh, ça permet aussi des choses formidables. Et c'est bien, tu vois. Couper la poire en deux. To cut the pitch into. Voilà, au bout d'un moment. Je... Tu vois, quand je suis énervé, je parle texan. C'est tout. Voilà. voilà, il y a Froggy One Kenobi qui, parle, qui, qui calme un petit peu mon engouement. Qui dit la médecine quand elle a les moyens de travailler. Ça, c'est vrai. Ça, je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais. Euh, ouais, on me dit, ah oh, ça va, je suis nul en anglais. On me dit, c'est the pire, apparemment. Non, pas the pitch. Allez, c'est pas une pêche la pitch, il me semble. Ouais, ouais non, c'est une catastrophe mon anglais. D'ailleurs, euh, pour vous raconter une, une anecdote, tellement je, suis une, je fais pas semblant, je suis vraiment une buse en, en langue. La dernière fois, j'étais à Barcelone. Et euh, j'arrive à un bar. Ça. Pas de surprise là-dessus euh, C'était le comment ça s'appelle le le broudog, bar broudog à Barcelone, vers euh, le quartier à la frontière du quartier Gracia. non loin de la Plaza de Catalunya pour ceux qui connaissent. Et euh, bon bah, je débarque et euh, j'essaie de baragouiner en espagnol pour commander une bière, tu vois, parce qu'il y en a plein. Et au tableau, je repère un truc qui me plaît bien. Et je dis au monsieur. Euh, mon espagnol, tu sais, tu sens que déjà mon espagnol est ébranlant, tu vois. Et il me dit euh, en anglais, je commence en anglais, et il me dit on va le faire en français. <laughs> J'étais tombé sur un français. Et, euh, et ben, il m'a sauvé la vie, hein, parce que grâce à ça, j'ai pu boire une bière. Et c'est vrai que euh, c'est une catastrophe. En langue étrangère. Euh... Ouais, c est... C est... C est... Français, 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 euh, French. Ça c'est bien, ça c'est bien, mais le reste c'est une catastrophe. Ah, je suis passé pour un con et j'ai réfléchi. Après, je discutais avec ma pinte de bière et je me suis dit ouais, euh... c'est pas pour moi quoi, c'est pas pour moi tout ça. Donc non, non, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà un petit peu pour cette anecdote qui, euh, j'imagine, voilà, vous a fait la journée. Ça c'est passionnant. Donc euh, on a ça. Alors aussi, alors je, je veux, on, on en parle. C'est une pub, hein. c'est une pub, donc. Euh... Euh, on va pas comment dire on va pas on va pas passer deux heures là-dessus mais euh, je sais pas s'il y a des amoureux d'automobile ici alors, il y a un copain tout à l'heure qui est parti justement pour aller au salon de l'auto à Paris mais euh, je comprends pas quel est leur délire en ce moment avec les bagnoles euh, ils font des trucs mais dégueulasses alors ça c'est un prototype tu c'est un concept car électrique de chez Citroën mais c'est dégueulasse hein. c'est des frigos les trucs c'est une catastrophe hein. Je, je sais pas ce qu'ils ont. Pareil, c'est Renault qui a présenté l'automobiliste, hein, la, la bagnole. Euh, ils ont présenté leur nouvelle 4-RED ou je sais pas quoi, tu vois. Mais regarde-moi cette catastrophe. Ouais. C'est Robocop le truc. T'as vu Il y a une pelle. Mais le truc, tu ne tu sais pas ce que c'est. Il nous prépare peut-être à un effondrement généralisé. Alors, c'est sûrement un concept car, mais quand tu fous une pelle sur la vitre arrière, c'est quoi le message qu'il a envoyé C'est un véhicule militaire, le bordel. Parce qu'on va envoyer nos soldats faire la guerre en Irak avec des 4L, on va encore passer pour des cons. Donc... Euh... Ah, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Donc, euh... Donc voilà un petit peu. Les amis, euh, qu'on voilà, ça c'est sur le parisien, on va voir ce qu'il y a d'autre un petit peu. Euh, le vaccin anti-grippe maintenant, ouais. Euh, ouais. Bon, on va pas refaire là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, c'est fou tout ce qu'on recycle. Petite pub de Coca-Cola en toute souplesse dans le parisien. Euh, la policière qui a abattu le terroriste de Nice a témoigné. C'est vrai qu'en ce moment, on a les, 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 le, le, le procès de l'attentat de Nice. Euh, on a quoi sinon? Alors, petite info, on a monsieur Stéphane Antiquité qui achète cher toutes vos fourrures en tout état. Voilà, je le dis. Je le dis un petit peu, ça fait plaisir. Euh, on a Rudy Gobert, l'incroyable Rudy Gobert, côté basket, ça c'est la NBA, qui a rejoint la franchise des Minnesota Timberwolves. Euh, qui a quitté hein, le, le Utah Jazz et euh, voilà, c'est c'est que du plaisir. On embrasse Rudy Gobert, le grand Rudy, incroyable Rudy, un hein, meilleur défenseur de deux années de suite si je dis pas de bêtises. L'incroyable Rudy Gobert et la pépite. Alors ça c'est incroyable. Pe petite passeport, mais c'est vrai que on va peut-être parler français en NBA bientôt parce que vous le savez, on avait eu Tony Parker, on avait eu ouais, une, une flopée de de Français déjà qui sont allés en NBA. Il y avait du Rudy Turiaf, il y a du Rudy Gobert, on a du Franck Ntilikina, On a un, déjà un paquet de, de Français là-bas. Mais là, c'est la pépite, c'est la pépite. Victor Wembanyama. Alors, c'est un monsieur. Euh, on est sur des dimensions qui sont celles d'une girafe, normalement. Le monsieur fait, attends, je vais te le dire... Il euh, est où sa taille 2 mètres 21. Il a 18 ans. Il a une envergure. Il peut toucher les deux bords de la Corse. Comme ça. Il fait ça. Il a une main à Jaccio, une main à quasiment à Naples. Euh, C'est impressionnant. 2m21, le bazar. Et euh, une pépite absolue. Et en fait, donc, normalement, on petite page basket, mais normalement, un grand comme ça, il est pivot. Donc, il est très grand, c'est est très bien, mais il n'est pas très mobile. Tu vois, euh, les grands pivots, mais plus ils sont grands, plus il faut traîner la carcasse. Tu vois. Sauf que lui, le problème, c'est qu'il euh, est très bon en tir à trois points. Donc, il est très bon au tir, même à, dist à longue distance. Et en plus, il se déplace, mais avec une grâce incroyable. Je vais vous mettre une petite vidéo, parce que, hein, on peut parler de sport sur juste mieux. Ça va ou... Regarde, ils ont fait un match exhibition en NBA la dernière fois et euh, c'est assez bluffant. Hein. C'est assez bluffant, je vous le montre, parce qu'en plus, c'est un Français, donc il y a un côté co coco Rico, tu vois. Regarde, bon bah, la grande tige, là, le 4, c'est Alors forcément, le 1, pardon, numéro 1. Euh, il met des contres, euh, il peut toucher le sommet du gymnase. Euh, forcément, tu Regarde, et il joue comme un meneur de jeu en fait. Il est très agile, il dribble très bien, c'est complètement bluffant. Et le problème c'est que 2m21 pour aller vous montrer euh, faut partir sur une dynamique d'escalo. Victor Wembanyana. Pour bon, les et autres, c'est Segoff, c'est un peu fou, hein. Tu vois, et, et il se déplace, alors c'est vrai qu'il est grand, il a un petit peu des gains de gain grand oui, oui, euh, ben, un... ben, Il saute, un... il est à 8 mètres, hein. il peut aller chatouiller les coups de, de Thomas Pesquet, c'est fou. Lancez la zizanie, la la ouais. ouais. Tu vois, il peut, peut claquer des tirs à 3 points aussi. et c'est l'un, c'est complètement... Et donc pourquoi je vous parle de ça C'est ce que dit le Parisien. C'est que pour finir un peu cette petite page au sport sympatoche... Euh, en NBA, il y a un système qui s'appelle la draft, c'est-à-dire que euh, et c'est plutôt bien foutu d'ailleurs euh, tous les ans, il y a les meilleurs jeunes notamment des universités américaines mais aussi quelques étrangers qui sont piochés qui intègrent la draft, je crois qu'il y a une soixantaine de joueurs, enfin, je ne veux pas dire de conneries, 60 ou 90 je sais plus euh, bon, il y a plusieurs dizaines de, de joueurs qui débarquent, qui sont sélectionnés et en fait le système de draft fait que la, main, la moins bonne équipe de l'année précédente prend le meilleur joueur, théoriquement il peut y avoir des échanges, mais en gros c'est ça. L'une des moins bonnes équipes euh, prend le meilleur joueur. Ce qui fait que ça renouvelle tout le temps la NBA et que vous avez rarement En fait une, une équipe qui va gagner euh, pendant 15 ans le titre de champion NBA. Euh, généralement, ça se renouvelle beaucoup. Par exemple, l'équipe Cleveland, quand ils avaient récupéré Blue euh, Brown James, bon, bah là, laisse tomber, tu vois. Euh, Donc, euh, c'est euh, assez fou. Et là, ce qui est dingue, c'est que euh, tu as, euh, donc, justement, pour espérer récupérer Victor Wembanyama, qui sera dans la draft l'année prochaine, donc en, euh, ce sera euh, fin 2023, et eh ben tu as des équipes qui envisagent de perdre un max de matchs cette année pour être dans les plus nuls. C'est assez énorme, c'est assez énorme ce qui se passe. Et, euh, et donc, euh, c'est ouais, assez rigolo. Il y a des équipes qui, pour avoir Wembanyama dans leur équipe et donc espérer derrière gagner le titre de champion euh, avec, une, euh, avec une bonne équipe et tout, euh, et veulent perdre le plus de matchs. C'est assez ouf. Alors, il y a euh, mon Edouard en régie qui dit on a peut-être des experts basket qui pourront nous répondre. Ce serait le premier Français draft en premier euh, Je pense que oui. Je pense que oui, effectivement. Alors, il sera peut-être pas premier dans la draft parce qu'il y a un ordre. Hein. Le meilleur joueur de la draft est pioché en premier, puis deuxième, et il y a deux ou trois tours, je crois. Euh, mais c'est pas sûr qu'il soit le premier. Il y en a un autre qui est fortiche aussi, mais un américain. C'est pas impossible qu'il lui, lui chippe la place. En tout cas, il sera un ou deux, ça c'est sûr. Mais euh, mais ouais, je crois que oui, ce sera le premier parce que même Tony Parker ou Nili Kina n'avaient pas été draftés en premier. Donc euh, ouais, ça, ce serait assez énormissime. Et c'est vrai qu'il y a Ichigo 38 qui dit, imaginez Mbappé à Reims. Non mais en vrai je trouve que je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon après on va pas faire long, il y a peut-être des gens qui s'en foutent du sport, j'en conviens. Mais, euh, mais c'est plutôt chouette en fait de... Je trouve ce système-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt chouette. Euh, cette idée-là, même pour le foot en France, par exemple, ça serait assez excitant parce que tu te ramasses un Mbappé effectivement à Reims ou à Nîmes Olympique. Je trouve ça plutôt cool parce que derrière ça relance. C'est pas un joueur qui fait tout, mais ça relancerait, et ça éviterait en fait euh, d'avoir une équipe comme le PSG qui débarque avec du flou et qui, euh, qui, qui qui pète tout le monde pendant 15 ans en se faisant naturellement défoncer en Ligue des Champions. Mais ça c'est un autre débat. Donc petite page sport, tu vois, parce que sur Juste milieu on est partout. On est partout. Alors, il y a Benzema également. Benzema, alors ça, je sais. Bon, on continue un petit peu la page au sport. Mais il faut en parler parce que Ballon d'Or, football, remis à Karim Benzema. Euh, bon, bah bravo, hein, bravo à lui. Mais euh, je vais pas vous mentir, il commence quand même un peu à me saouler. Voilà. Je sais que ça va faire débat. J'en ai quelqu'un qui va me tomber dessus. Mais euh, j'en ai quelques-uns, pendant qui vont me tomber dessus. Mais euh, bon, c'est bien Ballon d'Or, bravo, félicitations. Euh, en plus, il était habillé comme je ne sais plus quel rappeur. Edouard régie, tu peux me le dire, tu me l'as dit, mais je me rappelle plus. Euh, C'était pas que, que Tupac, il est habillé comme Tupac, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Tupac, ouais. Miss Dean's qui dit Tupac, Tupac, ouais, on est d'accord. Euh, bon, et effectivement, euh, Benzema, je crois qu'il a volé le titre de Martin Luther King en protège-tibia à Kylian Mbappé. Parce que euh, il a, il a, dans son discours hein, de, de remerciement après avoir obtenu le, le ballon euh, The Golden ball, euh, ben il a dit oui c'est le ballon d'or du peuple. Euh, donc forcément, tu as eu plein, euh, as eu plein de, de médias qui ont dit ouais putain c'est trop beau. Euh. Non, mais vraiment, Karim Benzema a rendu un hommage. Il y a un véritable engagement chez le natif de Bron, en région lyonnaise, qui n'a pas oublié d'où il vient. Et je veux dire, c'est le ballon d'or du peuple, quoi. Donc, comme quoi, le football a toujours un contact populaire. Est-ce que le football n'est pas de gauche Enfin, bon, bref, que des conneries, tu vois. Et euh, bon. Je suis désolé de rappeler ça, parce que vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, tu as dit que faut pas mélanger les débats et tout ça. On est bien d'accord. Et c'est un peu ce que je vais faire, tu vois, comme quoi, il hein, n'y a que les députés qui ne changent pas d'avis. Euh, et, euh, bon, oui, en bah, dehors du peuple et tout ça, c'est bien. Par contre, quand on commence à parler d'exemple pour la jeunesse, ça me fait un peu tiquer quand même. Parce que Karim Benzema, c'est un monsieur qui a été condamné dans cette fameuse affaire de chantage à la sextape avec Mathieu Valbuena, le chef du village des Schronf. Et euh, bon, de féliciter le joueur de foot, bien évidemment, saison incroyable avec le Real, la Ligue des Champions, euh, 8 millions de buts, enfin on est d'accord, c'est très bien. Mais de là à en faire aussi un exemple pour la jeunesse, euh, encore dans le, me, le Moscato Show que j'écoute beaucoup, que j'adore, hein, Vincent Moscato, je rêve d'y aller un jour, euh, qui parlait là encore hein, avec l'ami euh, Eric Dimieco et compagnie, qui parlait euh, d'exemple pour la jeunesse. Euh, pff, pff, pas sûr, tu vois, voilà. On salue le joueur, mais je pense qu'il faut s'arrêter là. Parce que plus, ce serait de la gourmandise. Voilà. Faut, faut pas non plus trop déconner. Mais. Euh, mais c'est vrai que, voilà, après, il y a d'autres choses à rappeler. On rappelle la condamnation, c'est une chose, mais il faut rappeler ce que dit tout à fait euh, Froggy One Kenobi, absolument, que Mbappé aussi est un mec qui, par exemple, paye ses impôts sur droits d'image en France, non pas en Espagne, où il pourrait payer moins cher. Il voilà. faut aussi être juste mieux, il faut rappeler tout ça, mais c'est plus le traitement médiatique, en fait, que le, que le bonhomme, en vérité. Euh, le joueur, c'est très bien, effectivement, Benzema s'était distingué par pas mal de petites choses, mais euh, bon, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire des caisses. Don't make boxes. Comme on dit. Donc ça c'est pour le Parisien. On va faire un petit tour euh, du côté de libération également. Euh, avec l'avertissement. Voilà, Preuve de l'inquiétude des Français face au coup de la vie. Les manifs de mardi ont confirmé la possibilité d'un univers social mouvementé. Alors libération qui se rappelle euh, qui sont de gauche. Ça leur fait du bien aussi. Ça leur fait du bien aussi de se rappeler qu'au départ, bah, euh, Libération c'est le journal des gens qui manifestent aujourd'hui, hein. des ouvriers, des syndicalistes, euh, des gens de gauche. Ouais, c'est pas euh, le journal des gens euh, qui foutent de la soupe à la tomate sur des tableaux. Il voilà. Faut quand même le rappeler. Donc ça fait, je, je, je suis plutôt content, plutôt content que Libération se rappelle voilà qui sont de gauche. Alors il y a Salt B qui casse l'ambiance, qui dit oui mais ils ont appelé à voter Macron deux fois. Voilà, hein. c'était euh, comme dirait Check News, euh, c'était peut-être trop tranché, voilà. Quand tu fais de la merde, c'est trop tranché, voilà. Faut, faut le, faut le rappeler. Donc euh, voilà, Libération qui, qui est de gauche, qui, qui bon, ça c'est bien, il faut le saluer. Donc ça parle des, des grosses mobilisations qu'il y a eu. Euh, voilà, à Paris, à Troyes. Voilà, heureusement, ça parle quand même de ce qui s'est passé dans dans les régions françaises. Donc ça, ça fait plaisir. Euh, on a, voilà, on a ça. Euh, on a quoi d'autre si on continue un petit peu libé On a voilà. Comment gouverner la France Les leçons de Michel Vinocq. Alors ça parle du général de Gaulle. Il euh, y a encore cette pub pour la bagnole dégueulasse. Moi, j'en peux plus du frigo. C'est dégueulasse. Euh, du côté des Philippines, en quête de justice des familles des terres, les dépouilles de leurs proches afin de réaliser des contre-autopsies et tenter de faire la lumière sur les causes des décès survenus durant la sanglante guerre antidrogue de l'ex-président Duterte. Alors ça, effectivement, aux Philippines, ah, ils avaient un président, il était. Ah, il était chaud. Hein. Il était tendu, hein. euh, l'ami Duterte, là, euh, DUTERTE Mais euh, voilà, donc il y a, euh, voilà ce qui se passe à l'international du côté des Philippines, on a, sinon, bah, l'affaire Lola, on en a parlé, un hein. sombre affaire, on en a parlé, Libération qui s'en prend à l'extrême droite, mais pour le coup, je trouve ça logique, je soutiens l'histoire, l'extrême droite s'est déjà lancée dans la course à la récup', euh... La succession de Georges Brassens, ça, ça c'est une affaire. C'est vrai que Libération, ils sont de gauche aussi quand il y a des histoires de pognon, ils viennent t'expliquer c'est pas bien le pognon. Hein. Serge et Eve Cazzani, neveu et petite nièce du poète, s'opposent à la vente aux enchères d'objets lui ayant appartenu par Françoise Oteniente, fille de son secrétaire et complice de toujours, ce dernier Pierre Oteniente, avait hérité de son ami une maison et l'usufruit d'une autre, un référé qui se tient ce mercredi. Merci à Thiodès, qui vient de sub, ce... c'est le quatrième mois, merci camarade. Donc, voilà euh, pour cette affaire brassante, affaire à suivre. Alors, je vois dans le chat, il y a Moon62 qui parle de ce qui se passe en Haïti. Alors, situation compliquée avec un mouvement insurrectionnel populaire qui lutte actuellement contre euh, la, 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 la mainmise américaine sur Haïti. Et d'après, alors je mets des guillemets, vous le savez, vous connaissez la maison, quand je ne peux pas sourcer ce que je vous dis que je ne peux pas l'affirmer avec un maximum de sources, euh, il y aurait eu. Euh, hier, euh, une forme de débarquement aéroporté, donc des avions qui auraient atterri en Haïti avec du, des véhicules militaires américains, ce qui pourrait présager une forme. On ne sait pas, genre je ne sais pas, c'est l'invasion ou, de la, ou, de la, ou de la supervision de ce qui se passe. J'en sais rien, mais on a un bruit, on a plusieurs bruits en tout cas qui parlent de ça, qui parlent de ça hier. Donc affaire à suivre. Maintenant, comme je vous le dis, je mets des ça je ne peux pas l'affirmer, je ne suis pas sûr de l'origine de ces vidéos ou quoi. Donc voilà ce qui pourrait peut-être se passer, mais je ne veux pas l'affirmer. Affaire à suivre, on en reparlera peut-être même dès aujourd'hui. On verra un peu ce qui va se passer. Euh, scientifique, activiste. Un mouvement de chercheurs a bloqué cette semaine plusieurs lieux de pouvoir allemands afin d'alerter sur l'urgence climatique. Pour eux, la désobéissance civile est devenue le seul recours. Voilà. Hein, faut pas déconner. Euh, voilà, Libération, ils sont de gauche, mais ils sont quand même aussi là pour, euh, pour aller de ces trucs-là. Euh, les 30% des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites, on en a parlé. Il y a l'affaire Elnaz Rekabi en Iran, donc une sportive. Ça, effectivement, décidément. Euh, ce, qui, ce qui se passe en Iran hein, continue et euh, maintenant c'est le cas donc, de cette sportive, un hein, spécialiste euh, professionnel en escalade qui est allée dimanche à une épreuve des championnats d'Asie à Séoul en Corée du Sud et elle a participé à la compétition sans voile et euh, depuis elle est rentrée en Iran et on n'a plus de nouvelles de cette sportive donc euh, la répression, la terrible répression continue en Iran euh, mais qu'elle soit rassurée, hein, Juliette Binoche s'est coupée un bout de cheveux donc euh, voilà enfin une petite vanne qui me fait moyen de m'en rire, mais euh, voilà, en fait, il y a le, le réel, le sérieux, le grave, la mobilisation, le vrai engagement, et puis on a nos, 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 nos majorettes françaises qui se coupent une mèche de cheveux en pensant être Gandhi, voilà. Hein tout est dit, tout est dit là-dessus, donc voilà un peu pour Libération. On a bah, des idées, des tribunes, Corinne Lepage, et compagnie, c'est fou. Me, me Too, une révolution politique de la vie intime, ouais. Le mouvement a révélé que les femmes étaient restées des corps à disposition en dépit d'une transformation de la condition féminine sur le plan social et par delà tous les principes égalitaires gravés dans la loi. Ouais. Bah. Bah, ils sont mignons, Libération, tu vois. Ils se réveillent quand ils veulent, hein. quand ils veulent. Hein. Mais euh... non, mais c'est en commentaire, ça va m'énerver. Ça va me rendre grognon, cette affaire. Ça va me rendre grognon. On a du sinoche on en a parlé hier au moment sinoche avec notamment effectivement le nouveau film, hein, le retour de Michel Oslo, celui qui avait fait Kirikou, qui est de retour avec euh, le pharaon, le sauvage et la princesse. Ça a l'air encore un joli moment de cinéma, ça c'est du plaisir. On en a pas parlé hier dans le juste bistrot, mais ouais. Ça c'est la page culture de Libération. Donc, sinon, voilà les amis, un petit peu ce qu'on peut se dire. Euh, Surtout ça, on va se mettre un coup d'eau. On va se mettre un coup d'eau. Alors, il y a Chris NDL dans le chat qui dit euh, C'est quoi le sinoche C'est la nouvelle petite séquence. On se fait plaisir. On se fait plaisir parce que, tu vois, j'ai pas envie qu'on s'enferme dans la routine. On est comme un vieux couple tous ensemble. Là, tu vois On est là, on déconne, on parle d'actu, mais faut se surprendre parfois. Donc, le mardi, et d'ailleurs, n'importe quoi, ce sera quand j'ai envie d'ailleurs, euh, on va parler euh, un peu plus de sinoche, de séries, de bouquins, en direct sur Twitch. Ouais, parce que. Parce que je fais ce que je veux. Et euh, j'ai fait ça hier. Mais le replay, la vidéo est disponible sur Juste Culture. Bah oui, sur Juste Culture. On parle de l'actu culturel. C'est bien, ceux qui suivent. 10 points pour Griffon d'Or. Donc, il euh, y a la vidéo. Edouard, en Enrégis, est-ce que tu peux nous mettre euh, le petit replay de ce qui s'est passé euh, On a parlé du Sinoche, des sorties du jour hein, d'aujourd'hui. Euh, parce qu'on est mercredi. Mercredi, c'est Sinoche. On a parlé de Black Adam. On a, euh, je vous ai donné mon petit avis sur novembre. Je vous ai donné mon coup de cœur mon coup de cœur. Ah ouais, ouais ça, c'est une comédie qu'il faut aller voir. Comédie qu'il faut aller voir, voilà. Edouard vous a mis le lien dans le chat. Je vous spoile pas, vous pouvez regarder. Alors, il y a Agent Orange69 qui dit le choix des trois films d'hier, bof, bof. Ah, non, mais je prendrai plus de temps. Si ça vous a plu, le format, on prendra plus de temps sur les prochains. On va parler un peu plus pour s'aérer l'esprit, parce que... Ce qui me pousse aussi à faire ça, bah, c'est que j'aime bien tout ça, en fait. J'aime bien partager ça avec vous. Et puis, c'est surtout que en fait, l'actu politique tourne en rond. Quoi. On va pas se mentir. Euh, je critique l'Assemblée nationale de faire semblant, euh, de parler des choses et compagnie. Je ne vais pas faire pareil. Et vous dire toutes les semaines, à ah, l'Assemblée, ils ont fait semblant. C'est l'Assemblant. <laughs> Putain, je viens de trouver la vanne alors qu'elle est géniale. Ça. Et euh, donc, non, non, je ne vais pas faire pareil. Donc, moi aussi... On se réinvente, on se réinvente. Donc, euh, voilà un petit peu les amis. Et deux dernières actus, on va finir comme ben, je, je vous l'ai promis. Je ne suis pas un pingre. I'm not a penguin. Voilà. Donc, euh, deux nouvelles actus, et vous le savez, ça vous avez été nombreux à en parler. C'est Jean Castex, l'ami Jeannot, le Bourville saveur, huile d'olive de la politique française, qui euh, va prendre la tête de la RATP. Alors, je. J'entends les esprits chagrins. Non, là tu vois l'imitation, je l'atteins pas. Je vais, je la, je la tiens pas. Je vais la bosser. Je vais la bosser. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, j'allais me lancer, mais je pense qu'on allait perdre du monde sur ce coup-là. Euh, ouais. Non, c'est mauvaise idée. On renvoie au labo l'imitation Castex. Euh... Ouais, Castex Sounet euh, qui en fait d'une certaine manière remplace Elisabeth Borne. Parce qu'il faut quand même se rappeler que euh, Elisabeth Borne était la patronne de la RATP avant de venir au gouvernement, puis ensuite d'être première ministre. Et euh, bon, voilà, quand je vous dis que l'actualité tourne en rond, c'est pareil. Là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que euh, on se fout de la gueule, tu sais, des pays... En Afrique, par exemple, notamment, quand d'ailleurs on a inventé le, tristement le sobriquet de, de République bananière, où on dit oui, euh, en Afrique, c'est le beau-frère qui est à la tête des médias, c'est le cousin qui est à la tête de je ne sais pas quoi. Euh, elle est où la différence, en fait Parce qu'au bout d'un moment, euh, il ne s'en cache même plus, tu vois. Jean Castex, bon ben... Euh, il est sorti du, du poste de Premier ministre, piètre Premier ministre. C'est pas piqué parce qu'il a un accent du sud que voilà, il a dit des conneries terribles en période de Covid. La gestion de la crise a été catastrophique. Sous son mandat, la France a été endettée comme jamais. Euh, on va arrêter de dire parce qu'il a l'accent du sud, il, il, tout s'est bien passé. Non, c'est une pompe à vélo. Euh, et là, le mec est nommé à la tête de la RATP. <rire> <rire> eh ben on n'est pas dans la merde. Ah ouais, on n'est pas dans la merde. Donc, euh, donc voilà. En fait on tourne en rond parce que bon, bah, c'est tranquille quoi. Il ne s'en cache même plus. Il ne s'en cache même plus. Euh, je, on, on a fait une actu sur le site de Juste Culture. Celle-là, elle est belle. Alors, il y a une actualité folle. On compte sur vous pour aller faire un tour sur Juste Culture. On a des, des, un nombre incroyable, faramineux d'articles par jour. Je remercie Marie naturellement. Maintenant. Taulière de l'équipe Juste Mieux, qui voilà, envoie du gros bois sur les articles, le site, tous les jours, vous avez de nouveaux articles. On a mon Édouard, le spécialiste du sport, il nous fait aussi de la culture. On a Marie qui traite un peu de tout. Il y a votre serviteur qui est là aussi. On envoie toutes les semaines vraiment des articles. Et un petit truc hein, qui qu est, qu est passé, mais comme une lettre à la poste. Voilà. Niveau, euh, niveau recasage d'anciens potes, c'est Richard Ferrand. Je vous mets le lien dans le chat, tu vois. On est dans la même veine que Castex. Alors lui, il n'a pas été replacé à la tête d'une commission factice pour servir discrètement la Macronie. Non, mieux que ça. Mieux que ça. Il a fait beaucoup mieux que ça. Euh, Richard Ferrand a lancé son propre cabinet de conseil. <laughs> ouais. Alors que sous son mandat, il y a eu une commission d'enquête du Sénat sur les abus des cabinets de conseil. <laughs> Ouais, je vous ai mis le lien dans le chat. Et donc, le, le mec, il a écrit un truc, il, il a créé un truc qui s'appelle Messidor. Hein, t'as un article du Figaro du 15 octobre qu'on a parlé. Et euh, t'as un mec donc, a, qui a assisté à des négociations de, de Ferrand sur son truc et tout. Et euh, qui déclare, hein, tra mais tranquille, vraiment, le mec dit... Mais sans trembler du museau, il cherche à faire fructifier sa proximité qui est réelle avec le chef de l'État. Quand il voit de potentiels clients, il leur explique la cartographie de la Macronie, ce que le chef de l'État aime ou n'aime pas, quels sont les parlementaires qui pèsent en fonction des secteurs d'activité. Et eh ben voilà. Conflit d'intérêts, lobbying, qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc, Castex à la RATP, y voyez-vous encore une surprise Je pose la question. Voilà. Non, je le dis. Il n'y a pas de problème. Il y a un truc. Je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner. Il y a peut-être un castex. Je peux peut-être peut tenir le castex. Ouais, je vais bosser. Je vais bosser. Donc bon bref, voilà sur cette affaire de RATP. Bon bah tout est dit. Hein, tout est dit. Hein. L'ancien premier ministre va être nommé PDG en remplacement de Catherine guillouard Alors elle aussi, on l'embrasse. Euh... Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà. Et puis l'article commence, on savait Jean Castex passionné de transport public. Bon, ben bah, euh, Benjamin Griveau, il est passionné de sextape, on l'a pas nommé chez Jackie et Michel, tu vois. Mais là, ça va. Il y a une excuse parce qu'il aime bien les trains. Tiens, Jean, tu veux jouer avec ton train Tchou, tchou Bah tu vas prendre la RATP, Jean. Voilà. <laughs> Allez, super. Euh, Bruno, t'aimes bien l'école roulée Bah tu es PDG de Damar, avec ma baguette magique. Tu es PDG. Voilà. Bon, bah, c'est. Non, mais je fais des vannes, mais c'est ce qui se passe, en fait. Riez pas trop, parce que c'est avec votre argent. Hein. Voilà. Faudra pas s'étonner si dans deux ans, c'est un rat qui conduit euh, les trams à Paris, hein, ou les métros. Là, ce sera la RATP, Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Mais, euh, tout ça dans une volonté humaniste, écolo. Et, euh, et le respect, voilà. ah, je vais m'entraîner à Jean Castex. Je vais faire Jean Castex toute la journée, à Edouard. Il est pas prêt. On a peut-être une démission ce soir dans l'équipe, mais euh, mais je, je le tiens, je le tiens bien ce, ce Jean Castex. Donc, c'est la première actualité que je voulais évoquer avec vous. Je vous ai parlé un petit peu de culture. Deuxième actualité du jour. Alors. Ça, je vous ai dit en ce moment se tient du côté de Francfort en Allemagne le salon international du livre donc qui est vraiment la grand messe de, euh, la, de la vie littéraire française donc où se retrouvent en fait les éditeurs du monde entier qui viennent c'est surtout un truc un truc business hein. il a, enfin, vous pouvez visiter il y a un peu des dédicaces d'auteurs et tout mais c'est surtout un truc business où en fait vous avez les plus grandes maisons d'édition du monde qui viennent vendre les droits de leurs bouquins qui viennent céder des droits aussi pour des adaptations en film ou en série et tout ça mais ça c'est tous les ans en octobre du côté de, de, de Francfort, et dans euh, ce salon est remis notamment, enfin plusieurs prix, dont le, livre, le, dont le prix du livre allemand, pardon, qui est l'équivalent du Goncourt français, et euh, alors là, ils se sont dépassés. Alors, on va prendre l'actu pour ce qu'elle est, et ensuite, on va, euh, on, va, on va décortiquer un petit peu, parler un petit peu bouquin, parce que, alors, la lauréate du prix du livre allemand, se rase la tête sur scène. Ça, c'est le titre de l'article. Alors, la lauréate, en l'occurrence, c'est cette personne avec une moustache, habillée avec une sorte de pelouse autour d'elle, euh, les cheveux globalement verts, qui a obtenu le prix pour son premier roman, Blutbüch. Alors, c'est de l'allemand, donc j'imagine que c'est Blutbuch. Euh, L'auteur non-binaire Kim de L'Horizon a tenu à exprimer son soutien aux femmes qui manifestent en Iran, et la personne s'est en fait rasé la tête euh, sur scène. L'auteur voilà. non-binaire Kim de l'Horizon, né en Suisse, s'est rasé la tête sur scène après avoir remporté lundi le prestigieux prix du livre allemand en signe de solidarité avec les femmes qui manifestent en Iran. Ce prix n'est pas seulement pour moi, a déclaré l'auteur lors de la remise du German Book Prize à Francfort, en amont de la foire du livre de Francfort, la plus grande du monde prévue de mercredi à dimanche, euh, ah, l'auteur oui. euh, moustachu, hein. elle est appelée comme ça. Je pense que le jury a choisi ce texte aussi pour envoyer un signal contre la haine, pour l'amour et pour le combat de tous ces gens qui sont réprimés à cause de leur corps, a déclaré l'auteur moustachu, primé, primé pour son premier roman Bloodbourg, Livre de sang. C'est la traduction. Après avoir entonné une chanson, elle a sorti un rasoir électrique et s'est rasé la tête sur scène. Voilà le jury s'est dit inspiré par le roman mettant en scène, avec une formidable énergie créative, une narratrice non-binaire. Du coup, c'est pas une narratrice. Enfin, je sais pas, d'ailleurs. Le prix du livre allemand récompense le meilleur roman de langue allemande de l'année, et c'est doté d'un prix de 25 000 euros. Voilà. Donc, bon, vous connaissez la maison. Vous connaissez la maison, on va réfléchir un peu là-dessus. Parce que on a envie, effectivement, de se dire « Oh, c'est bon, c'est une Conchita Wurst de la FNAC, pas parce qu'elle a écrit un bouquin et tout, mais... » Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que ça, c'est que là encore, il y a plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est de la cagolerie, de la posture. On va pas y aller par quatre chemins. Euh, c'est une escroquerie intellectuelle de se dire je vais me raser la tête sur scène pour faire une sorte de happening euh, dans une démarche presque d'art contemporain en pensant que se raser trois touffes de poils va soutenir des femmes qui se font euh, taper, qui se font euh, dont la répression en Iran est terrible, des femmes et des hommes d'ailleurs dans un véritable mouvement du peuple euh, c'est pas parce que l'auteur non-binaire à moustache s'est rasé la gueule que euh, ça va les aider ce qui peut peut-être les aider c'est le, les 25 000 euros par contre <laughs> Il n'a pas donné, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, cette personne, l'auteur moustachu, comme dirait Le Figaro, je vais l'appeler comme ça, n'a pas donné les 25 000 euros. Donc déjà c'est très intéressant. Cette époque, en fait, qui se contente de gestes qui ne coûtent rien et qui ne rapportent rien. Euh, t'as euh, nos majorettes françaises, là, euh, qui se sont coupées une mèche de cheveux. Et euh, par contre, est t'as ce monsieur qui se rase la gueule. Merci à Un Absolute Red Bull qui vient de se... c'est le cinquième mois, merci beaucoup, camarade. Donc... Euh, C'est de la récupération, là encore, d'une certaine manière, d'une cause qui ne les concerne pas, je, je, sans lui faire trop de, 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 de comment dire, sans trop le critiquer, mais je pense que cette personne l'Iran, c'était dans les livres avant, et là aujourd'hui elle, elle, elle découvre une passion pour l'Iran avec un geste qui est une sorte de happening à la con euh, qui ne sert à rien. Enfin, je, à mon avis, ça ne sert à rien. En tout cas, ça sert moins que 25 000 euros qui pourraient venir en aide, par exemple, pour les, 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 les personnes, les femmes et les hommes qui ont été blessés en Iran, qui nécessiteraient des soins ou autre. Tu vois. Mais ça n'est que mon avis. Mais ça reste quand même un prix littéraire, donc il faut, euh, il faut en parler, et c'est là où j'ai peut-être envie de commencer à chialer, en fait, en direct. Parce que la vie littéraire française, enfin la vie littéraire internationale, euh, me fait peur, hein, on va pas se mentir, et je vous dis ça en amoureux des bouquins, parce qu'on a, et, et c'est dans le sens aussi du prix Nobel d'Annie Ernaux, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous pour traiter un petit peu cette actu et... et euh et voir vraiment ce que ce que ça veut dire même sur le plan littéraire c'est qu'on a cette personne donc, qui remporte un prix bon alors encore heureux que euh, le jury a parlé d'une formidable énergie créative en même temps pour écrire un bouquin vaut mieux parce que si tu as l'inventivité créative euh, d'un chausse-pied c'est sûr que t'es pas prêt d'avoir un prix littéraire donc heureusement qu'il y a une énergie créative mais euh, à, à mon avis alors faut... Qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas lu ce livre encore. Il est sorti qu'en allemand, donc je n'ai pas, pas encore lu. Mais sur le papier, euh, ça ressemble quand même à, à une récompense très idéologique, où on récompense plus un auteur, une démarche, qu'un livre. Et le problème, c'est que ce mouvement aujourd'hui prend des dimensions qui sont extrêmement visibles, mais c'est un mouvement qui s'enracine dans le monde littéraire depuis un certain temps avec plus ou moins de succès, qu'on soit bien d'accord, mais je pense par exemple à un livre que vous avez peut-être vu passer, qui était sorti il y a, a 4-5 ans, euh, qui s'appelle Underground Railroad de Colson Whitehead, un, un livre formidable qui raconte euh, c est, c est la, la, la trajectoire d'esclave, on est au, au 18... 18e siècle, 18e ou 19e siècle aux États-Unis, et des esclaves qui vont en fait s'échapper, euh, des esclaves noirs, hein, nord-américains, qui vont s'échapper euh, de, de leur endroit de détention où ils travaillent, où ils sont esclaves, euh, pour suivre toute une route à travers les États-Unis avec des péripéties euh, qui vont leur arriver, qui sont souvent assez, assez rudes, et ce qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est que pour le coup, j'avais lu le livre qui est sorti chez Albin Michel, qui est en poche aujourd'hui, si vous voulez le, le, le découvrir, et euh, on avait surtout soutenu le fait que c'était écrit par un auteur noir américain, qui avait une sorte de filiation logique, et que de plus en plus, en fait, dans le monde littéraire, on récompense un auteur euh, plutôt que euh, un livre, une, un réel travail littéraire. Alors, vous allez me dire, je découvre la pluie, enfin je découvre l'eau chaude, on est d'accord, mais ça devient, en fait, de plus en plus visible, jusqu'au prix Nobel d'Annie Ernaux, là, c'est pour ça que je voulais faire le lien, en fait, entre cette espèce de happening bidon euh, de, 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 du Conchitavour de la FNAC qui s'est rasé la gueule, euh, à Annie Ernaux, donc prix Nobel de littérature française, on a envie de le célébrer et d'applaudir euh, vraiment des deux mains, mais Annie Ernaux, c'est une tannée, quoi, et on va pas se mentir, est... sur le plan littéraire, euh... Pff, je... Ça, encore c'est subjectif, c'est de la culture. Mais Agniardo, qui est quand même la grande papesse d'un mouvement littéraire qui est pour moi l'équivalent du roundup dans le milieu de l'agriculture, qui s'appelle l'autofiction. L'autofiction, ce sont des gens qui vont raconter leur vie en prenant une liberté de ton. Et en se disant, bon ben, bah, il s'est réellement passé un événement X dans ma vie, mais je vais raconter Y. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. Euh, un jour mon père m'a grondé parce que j'ai pas débarrassé la table. Je vais raconter que finalement il m'a mis une main au cul. Tu vois. Donc on a un appui. Qui est celui du réel, mais avec à un moment donné une liberté d'aller prendre ce réel, d'aller le tordre et d'en proposer une autre version. Et ça, c'est l'autofiction. Et Annie Ernaux est, en tout cas, dans la littérature française et peut-être même à l'international, celle qui a euh, vraiment inauguré le genre, qui l'a rendu, euh, qui, qui l'a développé, qui l'a travaillé, qui l'a développé. Et aujourd'hui, on a à sa suite des gens comme Édouard Louis. Euh, on a des gens comme Lydie Saver notamment avec un bouquin comme Tout homme est une nuit. On a des, des auteurs comme ça qui racontent des histoires et avec cette idée d'autofiction où on ne sait plus si c'est du réel, si c'est pas du réel, on ne sait plus sur quelle qualité littéraire juger l'ouvrage parce que on ne juge pas un témoignage comme on juge un roman. C'est-à-dire qu'un témoignage, on ne va pas reprocher à la personne que les événements de sa vie soient nul à chier. Tu vois. Donc forcément, elle raconte ce, ce qu'elle a vécu, cette personne. Donc. Euh, on, on, donc on, on a des attentes qui sont différentes, même sur le plan stylistique. Une personne qui raconte une agression sexuelle, on ne va pas lui demander que ce soit bien écrit. En revanche, sur un roman, on a du coup des attentes qui sont plus sur le plan stylistique de la narration, de la construction, de l'enchaînement des événements. Et l'autofiction, en fait, se situe dans une sorte de frontière floue entre tout ça, et on ne sait pas du tout comment juger ça, donc presque on ne le juge pas, et on met en avant ce qui est raconté. Et Annie Arnault, en grande partie, a construit sa carrière dans plusieurs bouquins, euh, un, peu, un peu comme ça, donc avec notamment le récit d'un avortement, euh, le récit d'une relation extra-conjugale, et elle est devenue un peu l'apôtre comme ça, d'une forme de littérature. Subversive, oui ou non, mais dans une... qui s'inscrivait dans un contexte politique de gauche qui était un peu à l'aube du wokisme, à l'aube de ce qu'on vit aujourd'hui. Et clairement, euh, prix Nobel, quand on pense que quelqu'un comme Milan Kundera ne l'a toujours pas eu, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et donc là, la plus grande récompense littéraire allemande qui va à un mec qui se rase la gueule sur scène, ça fait mal, ça fait mal, j'ai envie de dire. Euh, pour paraphraser un titre de rap. Donc voilà, je, je voulais vous parler un petit peu de cette actu littéraire les amis en, en recoupant donc ce qui s'est passé à la foire de Francfort avec le prix Nobel d'Annie Arnault, qui pour moi à mon avis est complètement galvaudé mais euh, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a ce vrai mouvement en littérature, mais gardons quand même la banane, parce que je vous dis ça, parce que là, on parle de, de choses que l'on voit qui sont mises en lumière avec les Grands Prix, avec tout ce que vous voulez, mais on a bien évidemment, et sur ces mêmes thématiques d'actualité, on a encore des auteurs tout à fait formidables. Je pense par exemple sur la question des agressions sexuelles et du viol, un livre sublime, et j'ai un trou de mémoire, c'est chez Albin Michel. Ah euh, oh là là, il faut que je vous le retrouve parce que je, je, ne, je ne finirai pas cette émission euh, sans vous trouver le titre de ce roman formidable, euh, qui était un premier roman en plus qui était sublime, Le Malheur du Bas d'Ignace Bayard. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cet ouvrage vraiment que je vous recommande, un ouvrage incroyable. C'est est un roman, donc là on n'est pas dans l'autofiction, le truc à la con. Un ouvrage formidable dans l'air du temps où c'est le récit effectivement très dur euh, d'une femme qui est violée. Le, 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 le livre commence comme ça avec vraiment une, une, la scène qui est très forte et euh, on a en fait on, on comprend un peu tout ce qui se met en place, notamment avec la réaction de son mari, la réaction de ses amis, la, 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 ce qui se passe dans la tête de cette femme, dans le corps et dans la tête de cette femme. Et c'est un roman sublime, un premier roman incroyable donc de Dines Bayard, comme quoi. La littérature peut encore et toujours, bien évidemment, produire des choses super sur des thèmes d'actualité. Donc, ce sera le petit conseil bouquin pour se dire que il n'y a pas que des gens qui se rasent la tête et des gens qui racontent et qui s'inventent une vie. En littérature, on a encore, fort heureusement, des auteurs formidables. Et c'était le petit message. Et je voulais finir comme ça. Cette matinale, je suis complètement parti en bib, mais je suis bien avec vous. Voilà, je le dis. Et puis là, il euh, y a du boulot. Il faut que j'aille tourner la farce tranquille. Je mangeais une pomme verte et je tourne la farce tranquille. Donc. Les amis, on va finir là-dessus cette matinale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, les copains. Donc, voilà, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Le rendez-vous, vous le savez, c'est ce soir. C'est 18h, la farce tranquille. 74e épisode avec... Euh, là, il y, y a du pain sur la planche. Là, on a de la biscotte sur la planchetta. Donc, on y va. Je redonne le titre pour... Euh, pour Annick B31 qui me le demande, ma chère Annick que j'embrasse, c'est Inès Bayard, le malheur du bas. Regardez, je vous le remets, comme ça vous pouvez noter. À l'écran, Inès Bayard, le malheur du bas, c'est Charles-Michel. Il est sorti en poche. Donc vous allez voir, formidable, les amis. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Merci d'être aussi nombreux. C'est 18h ce soir. La farce tranquille. Et demain, demain, je crois que je vous laisse un peu tranquille. Il n'y a pas de Twitch et tout. C'est que c'est dodo. Demain. Et puis on se retrouve le juste bistrot. Vendredi, bien évidemment. Bien évidemment, on h 30 On va se fendre la gueule. Je vous embrasse, les amis. Bonne journée. Bon courage pour ceux qui sont au boulot. Bisous les copains. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, c'est fini. Allez, oh, j'appuie. Voilà. Et là, j'éteins le micro, parce que sinon on m'entend.